Ok tout le monde, donc là je me demandais, est-ce que l'on sort dehors et on va essayer d'aller au département neuromode pour récupérer la licence de création des neuromodes? Puisque je vous rappelle que dans l'atelier, on ne peut toujours plus créer de neuromodes puisqu'on a épuisé les demandes. Donc je pense qu'on va commencer plutôt par le stockage. Identification vocale requise. Veuillez répéter les mots suivants. Gravité, courage, Gravité, courage, antipathie, antipathie. erroné. Erroné. Gravité, courage, antipathie, erroné. Oh, c'est marché! C'est parti. Et on confirme. Intervention de niveau direction. Coupement initialisé. Désolé Morgane, mais je dois t'enfermer cette fois-ci. Quand j'ai jeté ta clé d'armement, c'était pour t'empêcher de commettre une grave erreur. Il est trop tard pour se voiler la face. On est impliqué à présent. Tu seras en sécurité dans le stockage. On se retrouvera dans mon bureau quand tout sera prêt. Il y a un fantôme, bon. J'espère que tu me fais confiance. Je suis de ton côté. Tu n'es plus toi-même. Ok, donc là on m'a verrouillé, donc je peux plus sortir par ici. Bienvenue au stockage. Si Talos One avait un subconscient, il serait ici. Vous cherchez la banque de données centrale. C'est là que vous avez caché le disque dur contenant le plan de la clé d'armement. Pendant ce temps, je vais tenter de trouver une issue. Sérieux, ça va pas toucher. Ok. Ce qui est marrant, c'est que le fantôme, il se battait contre quelqu'un d'autre. Cadeau. Oh, sérieux, ça touche pas ça. Comment ça? Il m'a touché par contre. C'est pas cool ça. Alors, en heal, qu'est-ce qu'il nous reste? On va en prendre deux. Ok, il y a quelques trucs sur lui et le mimique. Ok. Alors là, on a Jennifer Lee qui est mort. On a quoi d'autre? Neuromode. Grâce à vous, mon cerveau a ouvert les yeux. Je vois l'horizon rempli de crocs. Il se rapproche. Peut-être que vous voyez ça aussi. J'ai faim. J'ai tout le temps faim. Je serai patient. Mew, vous finirez par sortir. Il y a nulle part où aller. Nulle part où aller. Will Mitchell, donc lui, je vous rappelle, c'est le cuistot qui s'était fait passer pour un cuistot. Mais en fait, ce n'était pas un cuistot. C'est sûrement un des dégénérés qui venait mettre sur la station pour utiliser en sujet de laboratoire. Alors, on commence déjà à pas avoir beaucoup de place. Je vais jeter ça. On a récupéré un neuromode, ça c'est cool. Alors, ça c'est un mot de passe. Ne pas oublier de donner le code au nouveau, 3668. Là, je récupère des mots de passe, mais ça a pas l'air de le noter plus que ça. Voyons voir les emails. Alors, Benny le Zarbi, méchant. Arkand est un type sympa. On peut pas lui en vouloir d'avoir voulu échapper au comité disciplinaire et vouloir... Pourquoi on n'arrête pas de m'appeler là? La moindre donnée transitant dans la station est capturée ici. Des serveurs de sauvegarde ont été placés dans des modules qui s'éjectent en cas de catastrophe. Le fait qu'il n'ait pas déjà quitté la station en dit long sur l'incapacité d'Alex à accepter la réalité. Ok, merci de m'appeler. Je peux demander un opérateur ingénieur, mais bon, j'ai encore 72 d'armure. Je préfère ne pas en appeler un au cas où ils deviennent corrompus. Il y a un opérateur scientifique là-bas. Donc ça veut dire que je peux utiliser mon psy sans problème. Alors il y a des tourelles, est-ce qu'elles vont me tirer dessus? Ok, il y a un technopathe. Allez, allez, vite, 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 vite. Je me suis pas battu en tout cas contre les technopathes. Contrôle des machines disponibles. Contrôle des machines... 4. Ça pourrait être marrant ça aussi. Non, c'est pas ça les contrôles de machines. Où est-ce que c'est... champ de gravité explosion... Ça doit être dans... Ça doit être là. Création de fantômes. Non, ça m'intéresse aussi. Tellement de trucs qui ont l'air sympa en fait.
contrôle des machines. Il me faut manipulation à distance, donc il faut au moins 4 neuromodes pour voir. Le level 1. Il y a une tourelle là-bas qui est une tourelle qui est méchante. Donc elle m'attaquerait. Oh, il a une tourelle sur lui, le mec. Ok. Et il vient de corrompre un opérateur scientifique. D'accord. Donc là, on est un peu dans le caca. En plus, il est en train de me voir. On va essayer de lui envoyer un truc dans la gueule. Aïe. Je suis cher. Oui, il m'envoie des trucs dans la gueule. Oui. Tiens, prends ça dans la gueule, toi. Ok, d'accord. Je vais essayer d'utiliser des grenades. Onde zéro. Non, c'est pas ça que je vais utiliser. Charge IEM. Ah, je vais lui mettre 0, voilà. On va essayer ça. Merde, ça m'a lancé direct. Ok. Une bonbonne. Ouh, ça lui fait pas mal de dégâts, ça. Je vais me heal. Et on court. On va chercher d'autres bonbonnes. Ce qu'il faut faire gaffe, il m'envoie des trucs dans la gueule. Oh oh, aïe aïe aïe, vite. Oh, ça m'a touché, sérieux. Oh non. Ok ok. Elle est juste à côté. Aïe. Aïe, 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 je me prends du... Oh, je me prends du dégât. Ok, ok, on est caché. Il est presque mort. Donc on peut y arriver. Allez. Et lui, il est 3 PV le truc. Faut que je m'aille. Voilà. Ok. On a survécu, mais on a pris pas mal de dégâts. Donc ça, à mon avis, avec le cauchemar, c'est un des plus difficiles à tuer. On va se heal avec la bouffe qu'on a, parce que la bouffe, on en trouve tellement qu'on va l'utiliser. Il y avait un truc ici, dossier... Encore un plan de l'arbalétrière, putain. On l'a déjà eu 36 fois celui-là, j'ai l'impression. Ah, c'est pour les fléchettes, ok. Donc voilà pourquoi on n'a pas fait d'opérateur, parce que ce truc-là, par exemple, et bah, ça... pardon. Ce truc-là, le technopathe, ça corrompt les... aïe. Ça corrompt les opérateurs qui sont à côté. J'ai du mal à parler, là. Ok, alors... On va fouiller un peu le coin. On avait encore une bonbonne de gaz à utiliser ici. Une ici aussi, mais bon, dans la panique, on utilise ce qu'on trouve. Ce truc-là, j'aimerais bien m'en débarrasser. Je sais pas si c'est possible. Non. Je crois pas que je prends de dégâts tant que la barre est pas au max. Je vais essayer de récupérer... Oh, mais attendez, je peux essayer un truc. J'ai envie de tester un truc. Si je mets une charge recyclante sur... on va l'équiper. Ok, si je mets une charge recyclante sur le nucléaire, là, le truc... les déchets radioactifs. Est-ce que ça disparaît? Oh oui, ça a marché! Nice! C'était une bonne idée. Faut que je me débarrasse de ça, Vente. Du matériau minéral. Exotique, synthétique, un peu de tout, ça c'est cool. Il y a un corps ici, Marie. On va le boire directement, ça. Alors, on a une tourelle HS. Une autre tourelle HS.
qu'on peut le pirater d'ailleurs. Parce qu'elle nous prend toujours pour un ennemi. On sait jamais, c'est le technopathe, il peut ressusciter les tourelles. Alors... Oh, juste X. Vite, 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 vite. Allez, allez. X. Oui. Mais je pense qu'on va pas les réparer pour l'instant, parce qu'on sait jamais. Je suis pas sûr que ça va nous être utile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à récupérer ici? Bientôt fouiller, voir s'il n'y a pas des notes. J'aimerais bien utiliser une autre charge recyclante près de ce truc là. Parce que ça, ça peut me donner des matériaux exotiques. Je vais ramener des corps. Tac. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux peut-être mettre des trucs pour rajouter ça. Toujours être sympa. Est-ce que je pourrais pas mettre les tourelles aussi? Parce que les tourelles, on en a rien à foutre. Voilà. Et je pense que ce sera tout, parce que je pourrais passer 10 ans à mettre plein de trucs. J'essaie de mettre un lecteur. Juste pour voir aussi. Ok. Est-ce que on peut mettre un autre corps ou pas? Je sais que c'est un peu dégueulasse de mettre des corps ici, mais on n'a pas le choix. Il nous faut le plus de matériaux disponibles. Ok, j'en vois pas d'autres pour l'instant. On va équiper une charge, parce qu'on en a encore 8. Et on va tester. Let's go. Plouf. Oh mon dieu. Oh, ça a bien marché. En synthétique, dis donc. Ça nous a donné masse. En plus, il y en a là-bas aussi. Organique et minéral. C'était une bonne collecte. Donc je pense que c'est effectivement une bonne idée et une... ok. Une bonne stratégie de utiliser les charges recyclantes sur les gros gros boss. Les gros trucs qu'on tue là. Gros typhoon. Vu que ça nous donne beaucoup de matériaux exotiques. Alors on a pas mal de trucs à récupérer ici. On n'a plus de place, on va faire un peu de place en mangeant ça. Et on récupère tout l'été. Oh, on n'a plus de place pour ça non plus. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Je vois pas comment faire de la place facilement là. On va faire 100 pour l'instant. On va rentrer ici. Donc là, on a Data Vault. On va aller voir ce que ça donne. 3, 6, 6, 8. Donc, il s'agit... Oh, oh, un opérateur ingénieur. Ok. Oh, il y a un mort, là. Pas de mimique. Inspection en cours. Votre combinaison fuit. Je vais revenir à la brèche. Merci. J'arrive. Déchets radioactifs. Ça, j'aimerais bien le récupérer tout de même. À la place de quoi? À la place de quoi, de quoi, de ça par exemple. Ok, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Je vois rien d'autre. Est-ce qu'on a une map du coin? On n'a pas de map, donc je préfère qu'on finisse d'abord le poste de sécurité qui est ici, avant de monter. Ça me paraît plus logique. Oh, il y a des trucs en bas là. Ah, c'est des nids de sifouilles, de je sais pas quoi là. C'est une des nids de trucs qui explosent. Alors ici c'est fermé. On va l'ouvrir à la façon... Ça on l'a déjà fait une fois, on utilise une fléchette, on tire sur ce truc. Easy. Facile, facile. Là on a quoi? Opérateur verrouillé. Ok, de toute façon on n'a pas vraiment besoin d'opérateur. On a un modificateur d'armes ici. On a trouvé deux plans. Plan de fabrication de cartouches de fusil à pompe. Je crois qu'on le connaît déjà. C'est peut-être une upgrade. On va prendre les munitions de ces trucs. On va jeter quelques trucs pour faire un peu de place rapidos. Ça, ça, ça.
ça. Comme ça, je récupère le fusil à pompe. Le fusil à pompe, je vais le désassembler. Le pistolet silencieux, je vais le désassembler, comme vous pouvez peut-être l'imaginer. Le modificateur d'armes, je vais l'utiliser directement. Je vais commencer à améliorer ce truc là qui est en rayonnement. Enfin, j'ai déjà commencé, mais je vais continuer en mettant stabilité, tiens. Nice. Et on peut ramasser tous nos trucs. Alors, équipage, il reste deux vivants. Daniel, donc. Elle, on sait qu'elle est vivante. J'aimerais bien savoir où elle est, d'ailleurs. Ok, on l'a déjà trouvée, faut croire. Il nous reste deux personnes avec aucun signe de vie. Ok. Utilitaire. Oh, nice carte de la zone, ce que je cherchais. Cool. Niveau 2. Centre des commandes, module de données. Donc faut bien qu'on monte. Et j'ai envie de voir aussi en dessous, parce que j'ai l'impression qu'on peut descendre. Banque des données centrales. Donc ça, c'est si on veut descendre. Et ici, c'est un verrou. Une porte non alimentée. Ok. Alors, est-ce qu'on descend d'abord? J'ai envie de voir un peu en bas ce qu'il y a. Ah, c'est juste des tunnels, ça. Hein, je sais pas. On verra ça plus tard. On va d'abord monter tranquillos. La porte, elle est là. De toute façon, on peut pas sortir d'ici, parce que je vous rappelle... C'était verrouillé par notre cher ami Alex Yu. Attention. Qui est le seul de l'histoire pour l'instant. Notre frère. Alors. Note. Checklist. Me présenter au chef Shaw, réquisitionner une arme, examiner les vitrilles, rechercher des traces d'effraction, patrouiller dans la zone. Dans toute la zone, inspecter toutes les pièces, demander à quelqu'un de nettoyer les fenêtres de la cabine de sécurité. Plan d'action. D'accord. Akande, qui a approuvé votre demande de cartouche de fusil? J'avoue que la menace est réelle, mais je vous en prie, n'abîmez pas le matériel. Est-ce qu'il y a des trucs en haut? Alors... Par où on va aller? Borne, on doit aller par là. Ok, j'essaye d'écouter, de voir s'il y a des trucs dans le coin. Ça, on n'a pas de place pour le prendre. Alors, un email. Ça, on l'a déjà lu. Un dossier. Ça, on l'a déjà aussi. Ok, c'est à peu près comme le... l'ordi d'en bas. C'est bizarre. Donc là, on a un problème d'électricité. Il y en a un deuxième, puisque j'entends. Alors. Code. Et c'est... On n'a pas de code. Et c'est un level 4 pour le pirater. Donc c'est pas pour tout de suite. Est-ce qu'on peut casser ça? Non, on peut pas le casser. Mais on peut pousser ça, par contre. Je sais pas si on le fait maintenant ou on va là d'abord. On va peut-être aller là tout droit. Parce qu'on a un objectif qui est juste là. Daniel Shaw. Ah oui, Shaw c'est Daniel. C'est la... Donc la meuf qu'on avait vue dans la piscine, je vous rappelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas des mimiques dans le coin? Il y a un fantôme thermique aussi. Je l'ai pas entendu. Je vais essayer de le scanner. Nice, super thermique 2 disponible. Ok, comment on va se le faire lui? Il y a un mimique avec lui. J'essaie de me faire le mimique. Ok, le mimique est mort. Faut essayer de profiter qu'on a des attaques furtives.
Le thermique, on peut pas vraiment utiliser de... Ok, il s'approche. J'ai pas une très belle vue sur lui. Tiens, prends-toi ça dans la gueule. Oui. Oh. Ok. Il est mort. Alors, plus de place, on va le manger. On a plus de place pour tout ça. Comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Je savais pas que la place, ça serait si dur à gérer. Faut faire des choix parfois. Ah, mais on a un recycleur juste là. Ça va être marrant. On va pouvoir se faire plaisir. Je vais enlever le feu. Je pense pas qu'il y ait d'autres mimiques, mais on va faire gaffe quand même. Vérifier. Opérateur ingénieur là-bas. Oh, il y a un mimique là. C'est lequel? Ah, j'ai touché, je lui ai fait 30, il est pas mort. J'ai bien fait de me méfier. Il n'y en a pas d'autres, j'ai l'impression. Des verres. Charge recyclante, ça c'est cool. Mandataire et agent de d'identité, je vous laisse lire si vous voulez le lire. On a 3 ordi, dont un qui est vide, 2 neuromodes, fragments d'astéroïdes. On va faire de la place tout de suite en mettant tout ça là. On va me ramasser le reste. Arbalétrière. Encore une feuille. On a récupéré une nouvelle puce, pardon. Permet de regagner un peu de points de psy en affligeant une attaque furtive. Ouais, c'est rigolo. Mais pas très utile pour l'instant. Plan de fabrication de charges recyclantes, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, même très intéressant, parce que ça veut dire qu'on pourrait créer à l'infinité des charges recyclantes tant qu'on arrive à bien recycler les trucs. Oh, une carte de sécurité. Je sais pas trop ce que ça nous ouvre exactement. Mais... je vais aller récupérer les trucs qu'on a laissés ici. Charge IUM, ça m'intéresse d'en faire une. Même s'il nous en reste, toujours utile quand même. Contre les tourelles. Et je crois que c'est tout. Ça m'a l'air tout pour l'instant. C'était neuromodes que j'aimerais faire, mais on n'a plus les licences, je vous rappelle. Ici, on n'a pas le code et il faut être level 4 en piratage. Alors, on va lire vite fait les emails. Aucun objet. Madame Chaud, je tenais à vous rappeler que nous possédons des informations sensibles concernant les volontaires et j'aimerais que vous vous assuriez qu'elles soient en lieu sûr. J'ai également inclus des plans de fabrication concernant quelques charges que vous devriez transférer dans l'aile de stockage. Merci, Alex. Opérateur dans la nature. Docteur Yu. Oh. Docteur Yu suit... Un opérateur suit les ordres de son propriétaire à la lettre. Si Morgan a vraiment construit un modèle sans immatriculation, cela voudrait dire qu'il a accès au protocole de la station. Je mettrai le conseil face à ce problème, si je le dois, mais je ne laisserai pas Morgan risquer l'avenir de sa station. Chef Shaw, je ne crois pas que ce que vous me décriviez là puisse être qualifié d'accident. Si Lorenzo estime qu'une enquête n'a pas lieu d'être, alors je le crois. Docteur Yu, bon, je les ai pas lus dans l'ordre, mais je pense que vous avez compris. J'ai parlé à Lorenzo Calvino sans obtenir de réponse, c'est pourquoi je me tourne vers vous. Nous avons des preuves qu'un opérateur sans immatriculation se trouve sur Talos 1. Si cela est avéré, l'incident de Transtar North pourrait se reproduire. Je veux m'assurer de la sécurité de la station et de l'application des protocoles informatiques. Chef Shaw. Donc en fait, l'opérateur dont il parle, je pense que c'est January. Hein, l'opérateur qui nous aide depuis le début, qu'on a créé nous-mêmes, et qui a la même voix que nous, qui est là. Qui est censé être là pour nous aider. Ça, on l'a déjà lu. Enfin, je vous ai laissé le lire. Protocole du bracelet. Attention. Envoyer un signal de destruction à un bracelet électronique est une violation des procédures de Transtar. Ne désactiver en aucun cas un bracelet électronique sans les autorisations nécessaires. Les bracelets électroniques permettant de localiser le personnel de Transtar en cas d'urgence. Modifier un bracelet électronique doit être approuvé par écrit et sa désactivation n'est possible qu'avec un accord de niveau directeur. Saisir l'ID du bracelet. Donc nous on a un bracelet, où est-ce qu'il est?
Il est là. Comment on a l'ID de ce truc? Je sais pas trop. Suivi du personnel. Ok, donc on va aller voir les quêtes. Activer le bracelet électronique de Grant Lockwood. Employé 1129. Ok, let's go. 1129. Ok. Ça c'est fait. Est-ce qu'on sait où il est maintenant? Qu'est-ce que ça a changé? On va le voir. Localiser Grant Lockwood, extérieur de Talos 1. Ok, donc il est pas ici. J'ai envie de tester un truc 000, ça fait quoi? Non valide. Ok. Non, c'était pour voir. C'était pour le fun. J'ai envie de lancer une charge recyclante sur la tourelle pour récupérer les trucs. Donc la tourelle, je vais la foutre là. Je regarde s'il y a un autre truc qu'on peut récupérer. Il y a un cadavre de fantôme thermique qui pourrait être intéressant aussi. Je vais te mettre ça là du coup. Et on la lance. Plouf. Ouais, ça donne pas mal de minéral. Hein. C'est intéressant. Alors, je crois qu'on avance maintenant. Let's go. Ok. Donc là, on peut pas y aller pour l'instant. Ici, on peut y aller en faisant ça. J'ai pas envie de me prendre d'arc. Et je pense qu'il y a un truc de l'autre côté, non? Il y a un tisseur intéressant. Création de fantôme niveau 2 disponible. Il est en train de créer un fantôme, le ouf. Oh, il a créé un fantôme. Super. Super, 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 super. Oh, il va le casser.